paiement de la bourse, quota d'intégration des enseignants communautaires de Brazzaville, autant des questions abordées au cours de cette rencontre. Alain-Claude Dangwama a rassuré les enseignants quant à la résolution de leurs revendications. Le directeur départemental appelle les enseignants de Brazzaville à se présenter dans les établissements scolaires dès le mardi 1er octobre. Ce que je vais vous dire, c'est encore une fois de plus un peu de la patience. Pendant la première paye, mais vous avez attendu plus longtemps que maintenant. Et on vous avait payé. On va vous payer. On ne peut pas vous payer demain parce que c'est dimanche. On ne va pas vous payer le premier. On va vous payer. Voilà l'information que moi je mets à votre disposition. Le message a trouvé un écho favorable. En témoignent ses réactions. Nous demandons à tous les enseignants d'être présents sur le lieu de service le mardi, enseigner les enfants, parce que ce que nous attendons comme bourse arrive dans sous peu de temps. Nous avons été éclairés par monsieur le directeur départemental suite à la rencontre qu'il y a eu au ministère avec tous les syndicalistes. Et je profite ici de lancer un appel à tous les leaders des structures syndicales des enseignants communautaires de rejoindre la coalition pour faire avancer la vision de son excellence, monsieur le ministre. Parce qu'il nous est demandé d'être un afin de parler un seul langage pour faire avancer les choses et que nous soyons aussi crédibles. Ces échanges interviennent quelques jours seulement après que des autorités du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et les mouvements syndicaux qui demandent à leurs membres de rejoindre leurs écoles pour la rentrée scolaire du mardi 1er octobre.